Et on se lève pour de nouvelles aventures au monde Timberwolf. La dernière fois, nous avions un loup complètement teubé qui était drogué à l'aurore boréale. Et ça s'est super mal passé et ça m'a énervé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ce n'est point grave. Ça va. Donc du coup, on va rentrer. On va rentrer... On va manger ça. Je pense que nous allons rentrer et nous allons... je sais pas trop. On va rentrer, on va repartir en aventure. Faut qu'on prenne la scie. On va prendre ça. Les boyaux, on va les laisser. Les viandes aussi. On va prendre ça par contre. Les viandes... On en a combien? Attends. 14. Ok, c'est pas mal. Les viandes, on va les laisser, donc du coup on va faire ça. Nourriture, c'est le premier secours. Nourriture et boisson. Très bien. C'est pas le corps du loup ça? Qui est sûrement mort d'hémorragie. Ou c'est un caillou. Donc on va, ouais, on va repartir. On va se vider un peu les poches et tout ça. Ouais, c'est le loup. Putain, t'es bien mort, saloperie. Hein. Ça t'apprendra. Nous allons prendre la corde, donc qui est de ce côté-là. On a un vent de merde, par contre, c'est un peu chiant pour se déplacer. Et on va la mettre sur l'autre rocher. Comme j'avais expliqué. Et on va descendre, tout simplement, on va partir. Et on va rentrer à la maison. Et ce qu'on va faire, donc comme j'ai dit, on va prendre une scie, parce qu'il nous faut une scie. Et je crois qu'on va passer par l'autre côté. Alors, le truc c'est qu'on a une grotte qui est plus haut, avec avec potentiellement genre 5 ou 6 bois pour faire des fûts de flèches. Alors... Honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile d'aller en récupérer autant? Je dirais non. Honnêtement, je dirais non. Mais c'est vrai que comme j'avais dit la dernière fois, vu qu'on est là, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Donc on va voir. Donc on va voir ça. Voilà, on dépasse les 40 parce qu'on transporte la corde. Donc où est-ce qu'on la pose la corde? C'est là-bas je crois. Ouais, je crois que c'est là. Faudrait qu'on dessine par contre. Ah là là, c'est embêtant parce qu'on a froid. Genre poser la corde plus dessiner. On va avoir super froid. On va prendre ça. Me fonce pas dans les reins, s'il te plaît, merci. Ouais, c'est là. Très bien. Regardez la vie descendre, c'est magnifique. Oh la vache. Let's go. Hop là.
Et là, on est au... On est dans le cul-de-sac. Et dans les couloirs, en fait. Comme j'avais expliqué, les couloirs avec la grotte, là, en plein milieu. C'est pas vraiment une grotte, en fait. Ils appellent ça une grotte. Genre, sur la map, ça dit même grotte. Mais au final, c'est pas vraiment une grotte. Je peux pas dire, mais... Genre ça c'est considéré comme si c'était une grotte. C'est pas une grotte. Donc du coup à droite, donc si on va à gauche c'est pour aller à la corde, et si c'est à droite c'est pour faire le tour. On va faire le tour parce qu'on va se réchauffer dans la grotte. J'arrête pas de dire grotte. Le problème c'est qu'il y a différents types de grottes. Genre ça c'est considéré comme une grotte, honnêtement ça ne devrait pas vraiment. Enfin c'est vrai qu'il y a un toit, bon bref. Après il y a les grottes où on peut pas rentrer dedans. Enfin on peut rentrer dedans mais c'est pas... Il n'y a pas un temps de chargement quoi. Et après il y a les grottes où il y a les temps de chargement. Et puis après on peut rajouter aussi les grottes de glace. Hein, on peut rajouter ça aussi. C'est grotte quoi. C'est fun. C'est vraiment fun pour être précis. On va se mettre là. Voilà, très bien. Pouh, eh ben. Alors, le truc, c'est que dans cette grotte, c'est l'endroit, je crois, où on pourrait aller trouver une cargaison de fret. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas la scie. Donc ça sert un peu à rien de la passer. Ça sert un peu à rien. Donc, on va pas le faire. Mais c'est cette grotte qui est intéressante. Ok, on y va. J'espère qu'il n'y aura plus le vent au moins. Et voilà, ça nous fait... Ok, ça a l'air d'être cool. Ça nous fait gagner un temps fou, hein, d'utiliser ça. Ok, là c'est... Surtout le fait de pouvoir descendre là, ça nous fait gagner un temps fou. Là il y a encore la corde, ok. Faut faire attention parce qu'il y avait un loup qui traînait, vous vous rappelez? Donc, je me demande si s'il revient un jour le loup. Ah, là, il y a du feu. C'est vrai que là aussi, il faudrait refaire le dessin en fait. Je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr. C'est bon. Après aussi on a une bonne lumière. Est-ce que on fait du feu maintenant? Il fait bon, j'ai pas envie de faire du feu honnêtement. J'ai envie de me balader. J'ai juste envie de me balader et aller récupérer tout ce qu'on peut. Bon, maintenant on rentre déjà et après on fera... On va faire l'autre côté maintenant.
à faire de l'autre côté. De la région. Côté gauche. Quand on est sur le lac, genre qu'on est à la maison et qu'on regarde le lac, faut qu'on monte, vous rappelez, avec l'ours fou. L'ours complètement cinglé, là. Qui se prenait pour Sonic. Bah, c'est là où je veux aller. C'est bien comme descriptif, hein. Vous vous rappelez l'ours fou qui se prenait pour Sonic? Bah voilà, c'est là où on va. On va faire attention là. On est à la moitié de notre vie. Sur le lac aussi, il y a une corde à prendre. Je sais pas si on pourrait la prendre et... on pourrait aller la prendre. J'ai aussi envie d'aller me balader là. Attendez, si là il fait pas froid. Si on allait voir un peu ce qu'il y a. Bon, faut faire attention. On sait qu'il y avait la cargaison de fret. Ça, on l'a prise. Bon, on sait qu'il y a un élan aussi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? C'est quoi un cerf? Genre des champignons ou des trucs comme ça. Mais s'il fait beau, autant en profiter. Peut-être parti, hein, l'élan. Peut-être parti. Sûrement le cerf. C'est pas une grotte, ça, devant? Genre pile là. Serre. Là-bas, il y a peut-être des champignons là. Ça, c'est pour moi. Très bien. Champignons là. Oh, du bois. Ouais, c'est une grotte. On peut... Ah, on peut passer là-bas. On va voir. Je me suis jamais aventuré ici, en fait. Donc, je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Après, il faut qu'on se réchauffe dans la grotte. Là-bas. Alors, est-ce que ça va être la surprise de la mort ou... Où est-ce qu'on est? Quoi, c'est juste un cul-de-sac? C'est juste un cul-de-sac, c'est ça? Okay, cool.
On aurait pu dessiner, mais on a froid. Bon, je pense que le cerf est... l'élan est parti, hein, honnêtement. Je pense que l'élan a complètement disparu. Il a dû migrer quelque part. Autre part dans la région. Bon, c'est plutôt sympa. Je suis un peu étonné là qu'on puisse aller tout à droite et puis il n'y a rien quoi. Donc là-bas, il y a du bois. Là, il y a... Ça, oui, ça c'est une grotte. Là, il y a encore des champignons à prendre. Là-bas, ouais, là, le bois. Encore des champignons, du bois. On va pouvoir dessiner. J'entends des corbeaux. Ouh, elle est un peu relou cette grotte. Le trou qu'il y a dedans. Oh. Bonjour, grotte forestière. Ok. Ok. Ok, grotte forestière apparemment. Ah, très bien. On va manger ça, on va boire. On ressort, on prend les champignons, on prend le bois à droite et on est reparti. Je crois qu'il y a des corbeaux, j'en ai vu encore passer. Il y a sûrement je pense une carcasse. Je pense une carcasse. On a pris ça là. Ouais. Il y avait plein de morceaux de bois par terre, j'ai rien pris. Okay, très bien. Allez, allez. Ah, on va monter. Ok, on prend ça. Très bien. On entendait un bruit, mais... Faut qu'on aille là, voir ce qu'il y a. Cool. Non, c'est bon. J'hallucine, ne vous inquiétez pas. Très bien. J'avoue. C'est un cadavre. Au final, on va rentrer, il va faire nuit. Non, on pourra même pas faire de feu. C'est pas très grave, honnêtement. Mais... Oh. Est-ce qu'on peut redescendre par là? Oui, on peut. Là-bas. Hmm. Peut-être qu'il est là-bas le cerf. L'élan. Ah, peut-être. Bon, allez, on rentre.
C'est pas mal. C'est pas mal le coup de des bois là et tout ça. Sympa. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pensais pas qu'on allait tomber sur ça honnêtement. Donc c'est très bien. Oh, pardon. Magique. Non mais c'est pas le drame, tout va bien, c'est bon. C'est, faut arrêter avec cette musique là. Donc on a récupéré encore du bois pour faire des fûts de flèches, on a récupéré encore un arc. Pour faire un arc. On a encore une peau de cerf en plus qu'on a récupérée. On a quoi d'autre enfin. On a quand même pas mal de morceaux de bois. Non, honnêtement, on est bien. On est très bien même. On est plutôt bien. Je vais monter là-haut, tout là-haut. On va monter en haut et on va dessiner. C'est pas mal. Là. Yeah, c'est bien. Là. Et un truc que je vais faire vu qu'il fait pas très très froid. En profiter pour dessiner là-bas. Et la corde surtout. La corde. Merde. Non, non, c'est bon. Starting to feel numb. Où est-ce qu'ils sont, t'es... Derrière? Et B derrière? Je dois dessiner la corde, par contre. Cette corde, on peut la prendre aussi. Mais je suis pas sûr si on va pouvoir continuer. Vous vous rappelez le coup du des fois il y a des cordes, des fois il n'y en a pas. Oh mon dieu, toute la vie qui descend. Allez, on rentre. Si on se fait choper, on est mort. Apparemment il y a des baies, je vais pas... Je les ai pas vues moi. Non, c'est pas grave. Je crois que je l'ai entendu à gauche. Allez. Pas sûr. Il y a encore un cerf. On peut pêcher. C'est vrai qu'on n'a pas pêché. Lac de cristal, on est à Crystal Lake. On va tomber sur un mec avec une machette. Ça va mal finir cette histoire. Ouais, on va passer par là après. On va monter. Mais encore une fois, je suis pas complètement sûr si ça va nous permettre d'arriver où on veut aller.
C'est un peu le bordel. On n'a pas vraiment fait le côté gauche. Donc du coup, il y a des endroits où il n'y a pas de cordes et tout. Donc ça va être un peu la galère. Ah oui, c'est vrai qu'on a lui aussi. Oh là là, tout ce qu'on a à faire. Oh, on a trop de choses. C'est embêtant. Non, ça c'est bien. Pam pam. Pam. Je sais pas où mettre les choses, moi. Ça. Ça. Alors, là c'est sec. Là c'est sec. Boyaux séchés. J'ai envie de les ranger, les boyaux séchés aussi. Séché. Tout est sec en fait. Ok, très bien. On peut pas. J'essaie de bouger la carcasse du loup. On peut pas. Aïe. 88. On va prendre celle-là. Ça, ça. Ah, très bien. Hop, hop. Parce que là, il y a trop de choses en fait partout. C'est le bordel. Okay, bon, ce loup, il nous fait un peu chier honnêtement. Elle commence à être fatiguée. Est-ce que ça vaut le coup de faire du feu maintenant ou pas? On pourrait dormir et faire du feu après. Et après, on redort encore une fois. Comme ça, ça nous fera deux nuits et elle récupérera de la vie parce qu'elle est quand même très très mal en point. Ah oui, il faut qu'on balance les vêtements aussi. On a ça. J'ai dit on a ça. Ça. Et le reste, on est nickel. C'est très bon. Hypothermie qui part, c'est bien. On a une scie, ça nous suffit. Et on est bon. J'entends du bruit. J'entends comme si des trucs qui marchaient autour. On a fermé la porte. Ok, ouais, on va, comme j'ai dit, on va dormir. Et après, on va faire du feu pour faire de l'eau. Et on va en profiter pour découper le cheval, là. Oui, j'ai dit cheval, je m'en fous. Comme ça, après, on redormira par la suite. Ça nous permettra de bien se mettre. C'est des conneries ça, le fait qu'il n'y ait pas de soleil, il fait froid. Des fois c'est le contraire. Hein. Ah, très bien, let's go. Le plus possible, parce que faut qu'on récupère énormément de vie quand même. Donc on va faire ça. Je sais pas si on va peut-être pas faire encore un épisode en plus au Mont Timberwolf. Le temps de faire un peu tout le tour. Je pense. Honnêtement, je pense. On va dire que je ne serais pas étonné. Okay, très bien. 12. C'est pas mal hein, ici, honnêtement. Quand on arrive à... Genre... Qu'est-ce que je voulais dire?
Genre toutes nos habilités niveau 5 et tout ça, c'est vraiment bien ici. Hein. C'est pas si mal. Hein. C'est pas ça, ça qu'on va faire. On va prendre un steak. 9 minutes. Le truc con, c'est que si on veut vraiment que le corps disparaisse, on va devoir tout prendre. Genre directement, sinon il faut attendre que ça pourrisse en gros. Donc ça va prendre du temps. Surtout utiliser ça. Donc, je crois que ça suffit là, non? On va peut-être faire aussi des tisanes. C'est vrai qu'on en a plus trop. Fourrure, 28 minutes. Enfin, vous savez, à chaque fois j'en ai quoi? C'est 2 de chaque? Non, 3 de chaque? Je crois. Et là, on en a plus. Très bien. La peau, on va la placer là. Voilà, comme ça, on récupère vraiment tout. Tranquille. En plus, c'est tout à la main. Donc, les outils vont très bien. Là. Et voilà. Et on a tout pris. Voilà. Attendez. Ouais, comme j'ai dit, ça, on en a 4 de Reishi. Faudrait faire les autres. Faudrait en faire 3. C'est juste le fait de les avoir de côté. Ça, je fais tout le temps ça. Encore faire 4. Très bien. Dormir. Ah, très bien. Dors une heure, ça va cuire la viande. On récupère un tout petit peu de vie, etc., etc. Et là, on va en profiter parce qu'on peut le faire. Mais sinon, après, elle sera en pleine forme, donc on pourra plus le faire. Mais quoi, on est le matin, ouais. On va déposer de l'eau. 3 litres.
4 minutes. On va refaire de l'eau et après on va partir. Je crois. Je pense que on va faire ça. Très bien. Encore 50 minutes. Ok. On est pas mal là, on est pas mal. Faut qu'on regarde si pourquoi on est aussi lourd. Non, 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 ça va, on n'est pas lourd. Je vais juste... 3. On a ça, on a des tisanes, donc on a 4 de chaque, et après 2, c'est très bien. Là, on a encore plein d'allumettes de côté, c'est bien. On va pouvoir partir avec. Non, on est bien, là. On est bien, on est bien. Il fait encore jour, il a pas l'air de faire très froid. Voire même pas du tout. Donc on va pouvoir se balader, très bien. Ok. Ok, ok, ok. Alors est-ce qu'on prend la corde ou alors on monte le... la glace? Je sais pas. J'ai envie de prendre la corde. J'ai envie de prendre la corde pour voir où ça nous mène. Très bien. Ça y fait un peu froid quand même. Parce qu'on a la glace à gauche. Mais... Enfin, prendre des cordes c'est toujours mieux. Parce que ça nous amène toujours à des endroits qui sont normalement inaccessibles. Donc on va prendre la corde. Surtout que comme j'ai dit, là il fait pas extrêmement froid. On est en bonne santé, on est bien. Bon, mais notre vie est basse. J'avoue que notre vie est basse. Mais ça va, ça augmente. Hein, un peu. Donc on va prendre la corde. Et on a une scie sur nous. Voilà. Comme je... Merde. Comme je disais, on a une scie sur nous. Donc ça va. Juste au cas où, hein, on sait jamais. Hein, que... J'ai oublié la scie encore une fois. M'inquiète cet endroit à chaque fois, je sais pas pourquoi. Let's go. Ah, on réfléchit pas, hein. On avance. De toute façon, il y a rien à réfléchir là, on avance. Bonjour.
quoi d'autre là-bas? Lapin, champignon. Bon, bah c'est déjà cool. Par contre, quand ça fait un peu froid. On va prendre ça. Je pense pas que ça soit par là. Je crois que ça tombe là. Je crois qu'il va falloir monter. On va prendre ça. C'est bien quand même. Comme j'ai dit, hein, là, le fait de pouvoir se balader. Genre, on va dire, facilement, comparé au froid tout le temps, ou alors des tempêtes tout le temps et tout ça, c'est quand même plus intéressant. Après, je sais que c'est pas très facile non plus, parce que vous voyez qu'à chaque fois, on perd quand même pas mal de vie, on a un peu du mal à, genre, à être toujours à 100%, surtout en ce moment. Entendez-vous, pardon. On va pas directement aller là, on va aller là, on va faire le tour. Il n'y a pas une grotte là? Non. Par contre, je voudrais pas trop prendre la montée là. Je voudrais juste me mettre à la... au bord. Je crois que j'ai bien fait. Oh, il y a des caisses. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il a... Ah, c'est pas sur moi. Je crois pas que ce soit sur moi. Je crois que c'est sur les lapins. J'ai envie de les casser, les caisses. 9 minutes, ah, tu me fais chier. Attends, s'il y a des caisses ici, il n'y a pas genre un truc de fret ou quelque chose? Non? J'ai envie de les casser ces caisses, juste pour voir ce qu'il y a dedans, ça va m'énerver. On va faire un feu. Je sens que je vais le regretter. C'est débile ce que je fais. Là, c'est vraiment gâcher des allumettes, quoi. Mais bon. Je veux savoir. Plus le feu il est même pas assez. Okay, cool. Dis-moi que j'ai pas fait ça pour rien. Putain, j'ai fait ça juste pour rien quoi. Putain. Tout ça pour rien. Là. Complètement pour rien. On a utilisé une allumette et on a utilisé la hache aussi, tout ça pour rien. Ça fait plaisir. Et maintenant il y a un brouillard de fou et on voit rien du tout. J'en profite en fait pour dormir parce que on a le feu. Hein. Sinon je le ferai pas.
Allez, on y va. Alors, faut faire attention là-bas. On va monter. Ah, j'aurais dû peut-être dessiner. On va dessiner ici. Une grotte, ça, du coup, ou pas? Oula. Attendez, ça c'est gros par contre. Ça c'est gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain de merde. Il n'y a qu'un champignon à récupérer. Il y a l'ours. Pêche. C'est les pattes de l'ours. Oh mon dieu, je me suis dit oui, c'est pas normal qu'il me fonce dessus. Ah, du coup on va en profiter. Du coup on va en profiter. Oh regardez ça. Un ours fantôme, il passe à travers les arbres. On est reparti. Alors. Par contre, il y a un brouillard, je pense pas qu'on puisse dessiner. C'est un peu embêtant. Donc, je vois une corde pour... Enfin, je vois pas de corde, je vois un emplacement pour une corde. Donc, c'est pas vraiment intéressant. On voit le feu hein, en face. Je vais voir là-bas s'il n'y a pas quelque chose. Ah, grotte. Strictement rien à l'intérieur. Il est possible. Ah, attendez, je vais faire ça. Il est possible qu'il y ait un moyen de. De contourner notre problème avec la corde, mais je suis pas complètement sûr en fait. Ah, on peut dessiner ça. Il faut qu'on monte. Il faut absolument qu'on monte. On va continuer par là, on va voir.
Ou alors on prend la grotte, hein, comme j'avais dit. Je pense que prendre la grotte, ce sera quand même le mieux. Ouais, c'est en haut. Ça doit être là. Ça doit être juste là. Pour la photo. Il fait bientôt nuit. On va commencer un peu à sprinter pour la fatiguer. Me dis pas que tu m'as vu. Plus que 4 flèches. Fais chier, je voulais me balader un peu. Pas grave. Est-ce qu'on a des massettes? Il y a des massettes. Je me fais chier. Je vais prendre mon temps. Après, on est en descente, donc on peut vite sprinter. Ah, c'était ici qu'on avait combattu notre super ours là. Charbon. Il avance quand même. Bon, on rentre. Ah, ça va, il est encore là. Il est pas si loin que ça, merde! Hey, il avance vite, ce con! Bon, résultat des courses. Bah, c'était pas... Putain, mais... Oh, tu vas te calmer. C'était pas très, très... J'sais pas... Ouais, on a découvert des trucs, vite fait. Pas grand-chose, en fait. J'aurais voulu vraiment trouver plus de choses. Allez. Voilà. De toute façon, tu peux pas rentrer. J'ai un peu... Honnêtement, j'ai... après tout ce qu'on a vécu, j'avais quand même un peu peur qu'il passe. Je sais pas comment, hein, mais bon. Mm-hmm. Par contre, il est en train de nous courir autour. C'est un peu embêtant. On devrait peut-être ouvrir la porte et lui mettre une flèche. Devrait peut-être le faire. Ok, tout ça c'est sec. Très bien. Ça, on a 4 morceaux de bois. On va les mettre là. On a vraiment une bonne maison, honnêtement. Je suis assez... Je me plais ici. Je vais être honnête, je me plais. Parce qu'on a vraiment une petite maisonnette tranquille où il y a tout. On peut aller pêcher, c'est pas trop la merde. Il y a du cerf, il y a du loup, il y a de l'ours. Il y a des massettes, il y a tout. Il y a tout. Il y a plein d'arbres.
Niveau bois, on est, il n'y a pas de problème non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est très bien là en fait. On est vraiment très bien. Bon, par contre, on a fait venir le loup maintenant. Il faudrait qu'on s'en débarrasse. On a le lapin, on va le recycler. Il est toujours là l'autre. Ah, on va faire gaffe. Là, il est là. Ah, il s'en va, ça va. Hop là. Tranquille. Ah, ça me... Je sais pas. Ça me plaît d'être là. C'est très très étrange. Faudrait qu'on chasse le cerf. Par contre il fait nuit. C'est bête parce que je voulais commencer à peut-être à faire des fûts de flèches ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va faire déjà une heure qu'on est là. Ok, on a notre... Le sac est prêt. On va le faire quand on partira. Après, il y a le sac de couchage aussi qu'il faudrait réparer, mais je préfère réparer ça honnêtement. Les bottes en serre. On peut le faire pendant la nuit. On peut coudre pendant la nuit. Je me rappelle plus. Je crois pas, hein. Alors, on va pouvoir le faire. Fraîche. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon, sinon après ça va durer trop longtemps. Mais on a vraiment une maison cool. On a vraiment une maison très très cool. On va faire ça. On a encore quelques flèches comme j'ai dit. C'est vrai qu'on a deux cordes. On a deux cordes. Bah tiens, je pense qu'on va prendre une corde sur nous. Je pense qu'on va prendre une corde sur nous. Pour prendre la corde du coup. Alors attendez. Nous on est là. Ah, on pourrait dessiner. Ah oui, non, il fait nuit, elle va pas mettre le marquage. Parce que je voudrais bien marquer la maison en fait. Parce que chaque fois on la marque jamais en fait cette maison. Alors, nous on est là, on va prendre cette corde, on remonte, alors je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Là on a vu qu'il y avait une sorte, je crois que c'est là, c'est à peu près là le rocher pour la corde. Donc il faudrait mettre une corde ici, comme ça on peut redescendre et après on pourra aller faire la photo. Mais... Je sais pas par où passer. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme la dernière fois. On va pas prendre la corde. On va prendre la grotte qui est là. Donc c'est-à-dire qu'on va descendre comme ça. Vous savez, sur la paroi. C'était pas très très dur honnêtement. Ah, y a ça aussi qu'il faudrait... Matériaux, là, faudrait l'enlever. Enfin c'est pas grave, on va le laisser. On va faire ça et on va prendre la grotte. Et la grotte normalement va nous amener en hauteur ici. Après je sais pas s'il y a un moyen de passer, parce que là on avait vu qu'il y avait le rocher et on peut faire descendre une corde. Je sais pas s'il y a un moyen en fait de contourner comme ça. Genre qu'il y a deux chemins, genre un chemin comme ça en bas, ce qu'on a fait avec l'ours et tout ça. Et après un chemin qui monte, parce que en fait on a été un peu dérouté à cause du fait qu'on a rencontré l'ours, le loup, etc. Mais bon, je pense qu'on va prendre la grotte la prochaine fois. On va prendre tout simplement la grotte, ce sera beaucoup plus simple. Donc ouais, on descendra direct, grotte, on va dans la galerie, tout ça, et ça va nous amener vers le côté gauche.
de la région. Et ça sera nickel. Et ça sera plus ou moins ce qu'on va faire. On va attendre encore un peu avant de dormir. On va faire ça. 2 heures. Ça va être un peu ce qu'on va faire donc la prochaine fois. Est-ce qu'on va faire autre chose? Je ne sais pas. Je pense, bon, on va passer l'heure, quoi, comme d'habitude, pour faire un épisode. Et je crois que ce sera le dernier épisode sur le Mont Timberwolf, je pense. On pourrait continuer, encore une fois, comme j'ai dit, il y a encore une grotte à visiter avec les différents bois, là, genre les 5 ou 6 branches. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je dirais que non, parce que déjà là, on a 5 boulots. On a déjà 5 boulots qui sont là. 6. Après, ça, c'est de l'érable. Ah, ça, c'est l'érable aussi. Donc, on a 6 boulots et à chaque fois, c'est quoi? C'est 3 fûts. Fût de flèche. 3. Donc, j'ai dit combien? 1 ici. 5, ça fait 6. Ouais, non, ça fait déjà ça fait déjà un bon paquet de fûts de flèche. Ouais, non, ça servira à rien d'aller les récupérer. Parce qu'il faut qu'on descende quand même avec avec quand même pas mal de choses, hein, je veux pas dire, mais on a aussi pas mal de choses à récupérer. Quoique, au final, on n'a pas énormément, parce que je dis ça, mais je dis des conneries, en fait. On va redescendre avec le café, bon, les allumettes, café, la corde, non. Ça, le cache-oreille, le deuxième, oui. Les livres, il n'y en a qu'un seul à prendre parce que sinon on a fini. On a le Fire Steel. Le métal, honnêtement, je crois pas qu'on va le prendre. Les pots, on va pas les prendre. On va les utiliser avant de partir. Le boulot séché. Non, ça, on va le transformer en fût parce que ce sera beaucoup moins. Quoique, 1 kg, c'est pas tellement lourd, honnêtement. C'est pas excessivement lourd. Mais c'est vrai que c'est mieux de faire des fûts de flèches. Comme ça, ce serait fait. On a ça, ouais, ouais, non, ça va peut-être être un tout petit peu limite, en fait, pour être dans les 40 kilos. Ça va être un tout petit peu limite. Ouais, enfin bref, on va dormir. Donc voilà, je pense qu'on va faire, honnêtement, encore un épisode. Et après, moi, je ferai une pause, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Ça sera de la farm, le fait de refaire nos vêtements et tout ça. Donc, voilà, ce sera un con chiant à voir. Et après, on partira d'ici et on ira sur une autre aventure. Comme j'ai dit, je pense que... Je l'ai dit plusieurs fois, je sais, je radote un peu. Mais bon, quand on a fait un peu le tour du monde, c'est un peu embêtant. Je pense qu'on retournera aussi de Désolation. Non, attendez, on est au Mont Timberwolf. J'avais dit quoi? Mont Timberwolf, Vallée Charmante. Ah oui, peut-être qu'on retourne à la crique lugubre directement. Ouais, mais il faudrait des flèches. Je sais pas. Ouais, on verra ça, on avisera. Mais ouais, allez, dormons. Ça s'est bien passé. C'est bien passé. On progresse. Ciao, ciao, bonne nuit.